تسمح لي في ختام هذه الجلسة أن أحيل الكلمة إلى الأستاذ خبير في وهو خبير في منظمة ديري وهو أستاذ محارب في القانون الدولي ليحدثنا حول تحليل المشروع مشروع الدستور على ضوء معايير القانون الدستوري المقارن. Monsieur Philippe Xavier, bonjour. Je vous cède la parole pour intervenir à propos de l'analyse du projet de la Constitution au regard des standards internationaux du droit comparé. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous présente tout d'abord mes excuses pour être arrivé en retard, mais j'ai toutes les vertus, mais pas celles de commander les avions. Et donc, je suis resté pendant 2 heures ce matin bloqué à Rome. Avant de pouvoir vous rejoindre, j'en suis tout à fait heureux. Laissez-moi vous dire également que les quelques réflexions que je vous soumets ne sont en aucune manière et ne doivent être considérées en aucune manière comme une critique ou une lecture de la Constitution par moi-même, mais plutôt comme un regard que l'on peut porter lorsque l'on connaît un peu le droit constitutionnel comparé. Et encore une fois, elles sont extrêmement modestes que vous allez voir. J'aimerais faire quelques observations sur la forme et sur le fond. Alors, j'ai suivi le processus tunisien depuis le 23 octobre et on peut quand même constater que le projet, le quatrième projet, a évolué, mais il reste effectivement des problèmes de détail et de cohésion d'ensemble du texte. Je dirais même que, de mon point de vue, la grande difficulté tient autant aux difficultés ponctuelles qui peuvent exister dans les articles et qui ont déjà été mentionnées, que dans la cohérence de l'ensemble, lorsqu'on lit le texte de façon combinée. Alors, je voudrais faire quelques remarques très rapides sur la forme, 4 remarques sur la forme, et puis ensuite intervenir sur des dispositions de fond, mais que je comparerai avec ce que j'ai pu voir dans d'autres pays. Alors, sur la forme en tant que telle, le dernier projet, première remarque, comporte certaines dispositions qui sont ce que j'appellerais des articles déclaratoires, c'est-à-dire des articles qui, au fond, sont souvent sympathiques, mais qui ne comportent aucune normativité. Je pense ici à l'article 7 sur la famille, qui est un article tout à fait sympathique, sur lequel on a peu de choses à dire, mais qui ne donne pas vraiment naissance à des droits et des obligations. Et la question que l'on peut se poser, du point de vue du caractère opérationnel de la Constitution, c'est que va devenir cet article lorsque on demandera à l'appliquer devant une juridiction ou devant la Cour constitutionnelle. Or, ce sont des articles qui généralement figurent plutôt dans les préambules que dans le texte, et en tout cas, c'est aussi, il faut le voir, une possibilité pour les juges, quelquefois, de tirer de ces textes des obligations et des droits qui n'existaient pas, tout au moins, dans l'idée que s'en faisait le Constitution. Une deuxième remarque de forme que j'ai relevée, c'est l'emploi de certains mots qui sont indéfinis juridiquement, mais qui peuvent également être problématiques lorsqu'il va s'agir de les appliquer. Alors, il y a évidemment le problème du mot dans les conditions extrêmes de l'article 21 concernant le droit à la vie. Que sont les conditions extrêmes? J'en ai relevé également un autre sur l'obligation de ratifier les traités, qui concerne notamment l'organisation internationale. On n'a pas une idée très précise que peut concerner l'organisation internationale. Une troisième observation très, très courte, mais que l'on a retrouvée dans certaines constitutions ou dans certains processus constituants, c'est le mélange dans certains articles de deux droits qui méritaient d'être traités séparément. C'est le cas, par exemple, de l'article relatif au droit syndical et au droit de grève. Le droit de se syndiquer, le droit de former un syndicat, c'est une chose, le droit de faire grève, c'en est une autre. Alors, le mélange des genres en soi n'est pas catastrophique, mais si l'on en est à essayer de clarifier la situation et de reconnaître des droits qui, au fond, sont assez différents les uns des autres, il vaut mieux 2 articles courts et clairs qu'un article qui est relativement ambigu. Enfin, quatrième remarque, et je me limiterai là sur la forme, c'est une remarque qui concerne l'absence de certains mots dans certains articles. Si parfois on trouve trop de mots, il y a aussi des cas dans lesquels on ne trouve pas assez de mots. Alors, il y a cet article 115 sur la composition de la Cour constitutionnelle qui prévoit par exemple qu'il y a 2/3 de juristes.
Mais est-ce que ça veut dire que le dernier tiers doit automatiquement ne pas être juste du juriste? Alors, il suffirait par exemple d'ajouter les termes au moins deux tiers pour que la question soit résolue. Bon, et là encore, ce sont les remarques que peut faire un lecteur extérieur lorsqu'il tombe sur le texte sans véritablement avoir connaissance de tous les tenants et aboutissants, et je dis ça sans aucune prétention encore. J'aimerais maintenant me concentrer, peut-être un peu plus longuement, sur les points qui me semblent, du point de vue du droit international, du point de vue du droit comparé, peut-être plus problématiques dans la rédaction du texte et dans cette dernière version. Le premier, comment ne pas le citer, c'est l'article 19 sur le statut du droit international. Le statut du droit international est au fond quelque chose d'assez classique si on regarde d'autres constitutions. L'idée que le traité soit au-dessus de la loi et en dessous de la constitution n'est pas une idée véritablement nouvelle. Mais souvent, et c'est là peut-être que le droit comparé peut apporter une pierre à la construction de l'édifice, il prévoit une disposition pour qu'en cas de conflit entre la Constitution et le traité, la Constitution puisse éventuellement changer. Qu'il y ait une possibilité d'ouverture, et appartiendra évidemment aux autorités politiques de savoir si elles veulent adhérer à un système de traité ou ne pas y adhérer, mais cette ouverture permet en quelque sorte de rendre compatible la Constitution avec le texte international, ou inversement, le texte international avec la Constitution. Alors d'ailleurs, si on regarde l'ensemble de la Constitution, enfin, du projet constitutionnel tunisien, on constate que normalement la Cour constitutionnelle exercera un contrôle de constitutionnalité a priori sur les traités qui seront signés et ratifiés. Donc ça signifie que cette compatibilité avec la Constitution sera automatiquement concernée ou considérée par la Cour constitutionnelle. Alors la question en revanche se pose pour les traités qui ont déjà été signés et ratifiés par, par la Tunisie. Alors sur ce point, je n'insiste pas davantage parce que tout a été dit et beaucoup mieux je ne peux le faire, mais il y a certainement des moyens techniques de sortir de cette impasse en rajoutant un certain nombre de dispositions pour rendre compatible cette disposition relative au statut du droit international avec ce qui existe dans d'autres États et qui permet en quelque sorte de garder l'idée que l'on veut défendre tout en l'aménageant pour en permettre sa viabilité aussi. Et il y a un deuxième article sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais dans d'autres circonstances et dans d'autres pays, notamment en Afrique du Sud, c'est cette fameuse clause générale de limitation que l'on trouve à l'article 48. Alors, c'est un progrès dans la mesure où cette clause n'existait pas dans les versions antérieures du projet de constitution. Simplement, dans son état actuel, elle me semble manquer d'un certain nombre de dispositions. Parce que l'on veuille limiter les droits et libertés, ça semble, je dirais, frapper au coin du bon sens, car dans toute démocratie, il y a une nécessité d'organisation, mais il faut que ces limitations soient nécessaires dans une société démocratique et qu'elles soient proportionnées. Alors, j'ai essayé de relever un peu ce qui existe dans d'autres constitutions, en m'inspirant aussi évidemment de celle du processus auquel j'ai participé en Afrique du Sud, hein, l'article 35, la limitation d'un droit, au fond, ne peut être, voire répondre à quatre grandes conditions. Il faut d'abord que la limitation soit l'œuvre du législateur. Hein, c'est pas n'importe qui, n'importe quel organe ne peut pas limiter un droit ou une liberté. Il faut qu'il y ait un organe, et cet organe ne peut être que le législateur, même si évidemment le pouvoir réglementaire peut à la suite intervenir, mais dans le cadre législatif qui aurait été pris. La limitation doit également être fonction de la nature des droits. Tous les droits ne sont pas placés au même rang. Vous avez des droits intangibles, l'interdiction de la torture, on n'a pas le droit de torturer un petit peu. Et les droits, même ceux qui sont limitables, n'ont pas nécessairement toute la même valeur. La liberté d'expression, la liberté ou le respect de la vie privée sont peut-être à placer différemment d'autres droits ou d'autres libertés. La troisième condition qui est souvent citée, c'est que cette limitation doit être nécessaire pour le fonctionnement de la démocratie au sens où la Constitution l'a entendu. C'est-à-dire que le législateur ne peut pas, un beau matin, se réveiller en disant « je vais limiter tel droit ou telle liberté parce que j'en ai envie ». Il faut qu'il y ait une rationalité et que cette rationalité ressorte du texte. Et puis enfin, quatrième condition, c'est la condition de proportionnalité
l'annulation doit être proportionnée à l'importance et à l'intérêt de la liberté ou l'objectif constitutionnel à sauvegarder, que ce soit la santé publique, que ce soit l'ordre public, que ce soit le fonctionnement des services publics. Tout ça est relativement cadré. Alors ici, je voudrais signaler d'ailleurs qu'il y a une étude qui vient de sortir dans une revue juridique sud-africaine qui démontre que la Cour constitutionnelle sud-africaine a utilisé cet article 35 comme élément essentiel de sa jurisprudence depuis qu'elle a été créée, depuis 20 ans. Et l'article est extrêmement intéressant parce qu'il démontre que, au fond, cet article a été à la fois un guide pour la limitation des droits, mais a permis aussi à la Cour d'asseoir sa légitimité au fil du temps. Alors, troisième observation que je voulais faire sur le fond, elle concerne les droits d'opposition. Alors, les droits d'opposition ont été consacrés dans la troisième version, si je me souviens, mais le texte reste quand même assez sommaire. Et plus que des droits d'opposition, c'est un statut d'opposition. Étant entendu qu'il faut évidemment savoir ce qu'est l'opposition, comment on la définit, qui fait partie de l'opposition, qui n'en fait pas partie. Mais là, évidemment, l'exemple de la constitution marocaine, sans peut-être aller, je dirais, aller aussi loin, démontre que le fait d'inclure dans le texte constitutionnel un certain nombre de droits qui sont relativement concrets permet en quelque sorte de donner à l'opposition un statut et de lui donner une place véritable dans le fonctionnement de la démocratie. Le quatrième point que je voudrais évoquer très brièvement, c'est celui relatif à la révision de la Constitution. Alors, le système qui a été adopté dans la quatrième version est un système qui est probablement plus rationnel que celui qui pouvait exister, et qui a aussi, au regard du droit comparé, quelque chose d'assez fréquent. C'est-à-dire que la révision de la Constitution, ou toutes les révisions constitutionnelles, ne sont pas de même ampleur. Il y a des révisions qui sont purement techniques, et d'autres qui sont plus politiques. Et là, évidemment, dans les dernières versions que nous disposons, il y a en quelque sorte un éventail de choix qui se profile. Il y a des dispositions qui ne peuvent pas être révisées, d'autres qui peuvent être révisées, mais soit en utilisant un mode de révision uniquement parlementaire, à la majorité des deux tiers, soit en ayant recours au référendum. Alors, là aussi, c'est quelque chose qui en soi est une bonne chose, mais le texte demanderait peut-être à être précisé ou à être rationalisé sur certains points. Alors, notamment, quant à savoir comment le président de la République peut décider ou non l'envoi du référendum, est-ce qu'il le fait avant, est-ce qu'il le fait après, est-ce que c'est un choix qui est clairement discrétionnaire, est-ce que ça tient aussi du contenu de la révision. Un autre point, qui à mon avis suscite un certain nombre d'interrogations, c'est de savoir si le contenu de l'article 141 concernant les matières non révisables ne devrait pas être précisé d'une façon un peu plus grande. Je pense par exemple ici à la notion d'acquis en matière de droits et libertés. Là aussi, je veux dire, qui voudrait que ces droits et libertés soient limités lorsque ces droits ont été acquis? Mais il se trouve que les droits et libertés sont également mouvants et que vous avez certains droits ou certaines libertés qui pouvaient exister il y a 50 ans qui aujourd'hui n'ont plus même intérêt. Pensez à tous les droits technologiques, des choses comme ça. Donc là aussi, c'est peut-être une question de phraséologie, c'est peut-être une question de forme, mais ça mériterait qu'on s'y intéresse. Alors enfin, dernière remarque que je voulais faire, elle concerne ces dispositions transitoires. Alors là aussi, toutes les constitutions comportent, constitutions nouvelles lorsqu'il s'agit de changer de régime, des dispositions transitoires. Et il faut bien reconnaître que ces dispositions sont nécessaires parce qu'il s'agit de faire passer, tout simplement, si on en donne une définition, ce sont des dispositions qui sont destinées à permettre le transfert en douceur de l'ordre juridique ancien à l'ordre juridique nouveau. Mais la question qui se pose ici est de savoir si l'applicabilité de la Constitution peut être soumise au bon vouloir du législateur ou de la loi, dans la mesure où le principe, ça je crois qu'il est universel, c'est qu'une fois promulguée, la Constitution devient applicable. Et dès qu'elle est promulguée et publiée, c'est l'acte de publication qui détermine son applicabilité. Et donc, on peut toujours être surpris de voir que le constituant prévoit un effet différé de ces dispositions constitutionnelles. Alors, ces dispositions constitutionnelles transitoires, elles existent à peu près partout, mais on constate qu'elles ne peuvent conditionner l'applicabilité des dispositions de la Constitution que de façon, 1, exceptionnelle, 2, justifiée,
et 3, temporel. Or, ces éléments-là, il faut les préciser. Et ces dispositions permettent de créer ce que j'appellerais un exceptionnalisme fonctionnel, c'est-à-dire qui est justifié par des nécessités pratiques impératives. Il s'agit là de faire fonctionner le système et non plus, je dirais, de décider ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Alors, le principe qui, je crois, est tout à fait admissible en matière de disposition transitoire, c'est qu'on ne peut pas, je dirais, vivre dans un vide juridique et qu'il est nécessaire d'appliquer les textes anciens jusqu'à l'apparition des nouveaux. Il y a donc une présomption de constitutionnalité qui doit s'appliquer, sauf pour les dispositions qui sont manifestement inconstitutionnelles. Alors la question est de savoir qui va les contrôler. Il faut quand même qu'il y ait un juge qui soit chargé de vérifier que ces dispositions sont manifestement inconstitutionnelles, et dans le cas de la disposition, ça n'apparaît pas. Alors dans le présent projet de constitution, il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité a posteriori qui est réalisé immédiatement, et là aussi ça semble quelque chose d'assez curieux. Pourquoi ce contrôle a posteriori ne peut-il pas être exercé durant la période transitoire? Pourquoi 3 ans? En termes techniques, il est assez dangereux de différer un pouvoir qui s'exerce en concurrence avec l'autre, et ces autres pouvoirs d'ailleurs au sein de la Cour constitutionnelle pourront probablement une ampleur, et on peut s'interroger sur l'efficacité d'un contrôle a posteriori qui restera impossible. Alors, en guise de conclusion, et je termine, je voudrais faire 4 remarques sur les caractéristiques de ces dispositions transitoires en droit comparé. La première, c'est que les dispositions transitoires sont destinées à mettre en place des institutions de démarrage. Ces institutions de démarrage, elles seront remplacées, elles doivent être remplacées par celles qui sont prévues par la Constitution, mais elles doivent l'être le plus rapidement possible. Deuxième caractéristique, dispositions transitoires ne doivent pas être assimilées à des clauses qui autorisent une mise en œuvre à la carte de la Constitution en fonction des desiderata du législateur. Ça, c'est impossible. Ça n'est pas leur propos. Troisième caractéristique, ce sont des clauses qui doivent être de courte durée. Alors là, j'ai regardé statistiquement à peu près. Ça va de quelques mois à 1 ou 2 ans maximum, statistiquement. Alors ça n'a pas évidemment de valeur juridique, mais ça donne une idée un petit peu, je dirais, du caractère transitoire. Ça veut dire au fond que le législateur, une fois que la Constitution est adoptée, doit tout de suite travailler pour mettre en place des institutions. Et s'il a mis des dispositions transitoires, bien ces institutions transitoires continuent à fonctionner jusqu'au moment où ces questions sont traitées, où ces institutions sont traitées. Enfin, dernière caractéristique, et non des moindres, les clauses transitoires ne devraient pas pouvoir concerner la mise en œuvre des droits et des libertés. C'est-à-dire qu'au fond, les droits et des libertés, à partir du moment où elles sont consacrées par la Constitution et que la Constitution est promulguée, eh bien, elles doivent pouvoir être opposables juridiquement. Alors, bien sûr, les droits et libertés ont besoin d'être encadrés par la loi, mais le juge devrait pouvoir assurer l'essence de ces droits et libertés dès la promulgation de la Constitution. Et pour terminer, je vous cite une petite anecdote. Les premiers cas dont la Cour constitutionnelle a eu à traiter concernaient la peine de mort et le châtiment corporel. Si on allait appliquer graduellement les droits et les libertés, eh bien, il y a 400 personnes qui auraient été exécutées. La première décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle a consisté à invalider la peine de mort en la considérant comme non conforme au droit à la vie tel qu'il a été proclamé dans le nouveau texte constitutionnel. Alors ça montre que ces dispositions transitoires sont nécessaires, mais que, évidemment, elles doivent comporter cette limite. Je vous remercie.